Et bonjour, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Cake is a Lie, le deuxième hors-série. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la série de tests qui s'appelle 12 Angry Tests, faite par Carrette Carrette, et qui est à ce jour encore la hack de Portal 2 la plus connue et la suite de ça la plus aimée, la plus populaire, etc. etc. Qui est sortie quasiment en même temps que le workshop parce que le mec il avait fait sa hack dans son coin tout seul sans attendre le générateur de salle, et quand le workshop est arrivé il l'a simplement mis en ligne sur le workshop comme ça, comme s'il avait fait les salles avec le créateur alors qu'en fait il les a fait de son côté. Et donc depuis le début, les 12 Angry Tests sont les tests les plus connus et les plus populaires de Portal 2. Et donc c'est parti, on va faire, vous voyez là j'ai les 7 parties, donc on va essayer de se faire ça, je vais zapper un peu l'introduction parce que sinon ça va être un peu long. Comme c'est parti pour être long, je vais pas mettre 3 heures avant de commencer à jouer. Donc c'est parti pour la première salle, enfin la première partie. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. 12 Angry Tests, pour ceux que ça intéresse, c'est un jeu de mots avec 12 Angry Men, qui est le nom d'un film dont vous connaissez probablement le synopsis, parce qu'il a été repris dans énormément de séries ensuite, et d'autres films aussi d'ailleurs. C'est l'histoire d'un homme qui vient au tribunal et qui est jugé, et que sur les 12 juges, il y en a 11 qui pensent qu'il est coupable, et il y en a un qui est persuadé qu'il est innocent, et donc pendant tout le film, le 12e juge va essayer de convaincre les 11 autres que en fait, l'homme est innocent, et à la fin il y arrive, ou pas, je ne vous spoil pas, si vous voulez vous pouvez aller voir. Donc c'est 12 Angry Men en version originale, et le nom français, je ne me souviens plus. C'est dommage. Et donc, nous commençons cette magnifique hack à Bamako, n'est-ce pas génial? Sur une plage, c'est beau. C'est beau, le vent qui souffle dans les palmiers et tout. Et puis, ceci, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la télé? Ah oui, c'est une télé, c'est une vieille télé. On peut pas la prendre, d'accord, bon ok. Mais c'est pas grave, je n'ai qu'une hâte, c'est aller mettre mes pieds dans le sable. Ok, d'accord, c'était pas prévu. Ah, d'accord, je vois. Bien, allons-y. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Oh putain, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Je veux voir. Je peux sauter là-dessus? Non, je peux pas. Ça se saurait. Bon, bref. Allons-y. Oh putain. Ah non, ça va, elle marche pas, elle. Ah, mais c'est en français en plus. D'accord. Eh oui, t'es complètement opérationnel, vas-y, tire-moi dessus. Ça sert à quoi, ça? D'accord. Bon. Bref, donc on peut continuer. Là, il y a de la lave. Oui, là, il y a de la lave. Putain, elle a une sale gueule, la lave. Hein. Elle est un petit peu marron, la lave. Là. C'est un petit peu de la merde. Voilà. Bon, alors, cette première salle était quand même relativement difficile. Je pense que je ne vais pas réussir à faire la suite. Et vous voyez, c'est déjà la fin de cette première partie. Et donc, nous pouvons passer à la deuxième. Ça va. Je pense que si ça continue sur ce rythme de difficulté-là, je pense que dans 2 minutes, j'ai terminé les 7 salles. LOL. Genre, ça va être comme ça pendant les 7 salles. Non, 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 là, ça commence vraiment. Donc, voilà le scénario. Je me réveille dans Aperture Science, je récupère le Portal Gun, et je me suis fait menacer par une tourelle. Ok, alors... Donc, pour ouvrir la porte, il va falloir que je mette un laser là-dedans. Ce qui n'a pas l'air ultra possible. Si je fais ça, ça fait ça. D'accord. Donc je suis obligé de passer comme ça. Si je fais ça, ça fait quoi? D'accord. Et donc si je fais ça, par exemple? Par exemple. Et que je fais... Attends. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, si je fais ça... Comme ça, je peux faire ça. Et après, je peux faire ça, par exemple. Et donc après, je peux venir là.
Et puis faire ça. Voilà. Donc là, j'en ai un. Cool. Je vais aller chercher l'autre parce que je pense que j'en ai plus besoin. Voilà, donc maintenant j'ai deux cubes redirecteurs de lumière. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut... Alors je pense qu'il faut faire un truc comme ça. Oula, attends. Tac. Sauf que maintenant mon orange, je vais le mettre là. Ah. D'accord. Je vois à peu près le délire. Viens là toi. Dégage. Voilà. Ok, là ça a l'air de marcher. Et donc, on va faire comme ça. On va te prendre et on va te mettre. Et ça marche. Ok. Soit. Pourquoi pas. Voyons voir un peu ce qui se passe après. Wow. Ok, donc il faut que je tire pendant que les portes s'ouvrent. Putain! Mais c'est pas possible! Ou alors il y a autre chose à faire. Là il y a un mur blanc. C'est probablement pas par hasard. Oh qu'il est malin. Oh qu'il est malin. Oh qu'il est malin. Bon, alors donc nous allons continuer. On a à peine commencé, on est déjà en phase de fuite. T'as pu faire les salles de test, quoi. Ok. Pourquoi pas. Et là, je peux faire ça, peut-être. Oui, ok. Déjà avec la musique de la fuite et tout. Alors. Ça sert un peu à rien, ça. Ça m'aide pas des masses. Ah. Oh. Oh. Bon, je pense que j'ai pas vraiment le choix. Je suis obligé de sauter là-dedans. Donc en fait, j'ai zappé une salle de test carrément. Celle-là, je l'ai pas faite. Et poup, on continue comme ça, comme si de rien n'était. Bonjour. Bonjour. Alors. Nous avons ici un Kubo. Et puis, à part ça... Ouais, tiens, on va faire ça. Je pense que c'est pas bête comme idée. Est-ce qu'on peut mettre un portail ici? Oui, voilà. Et ensuite, on va embarquer le cube. Oula. On va passer là-dedans. Tac. Là, jusque là ça va. Je vais te lâcher là et je vais aller chercher le rayon laser. Ouais, enfin pourquoi pas. Ah merde. Ça, c'est le cube que j'ai lâché tout à l'heure. Là, il faut que je mette un laser. Ouais, donc en fait, toi, il fallait pas que je te balance. Il faut que tu restes là en bas. Là en bas. Ouais. Ok, donc j'ai mis un orange là. Donc il faut que je mette un bleu parce que je peux plus repasser par là. Il y a des machins là. Hop. Un peu. Yes. Et donc là je peux mettre un orange justement. Ah mince. Hey, laisse-moi repasser. Merci. Viens là toi. Arrête de me faire mal. Et donc là je peux poser le cube. Et en avant. Bien. Bon, bah écoutez, ça va se faire, ça va, la difficulté a pas l'air d'être trop violente. C'est quoi ce bruit? Wow. Je viens de descendre. Mais où vais-je? Ah ah! Alors normalement, cette troisième partie, vous devriez savoir un petit peu laquelle c'est, parce que vous... Non, je dis ça, non.
ça a été coupé au montage. Et à un moment donné, dans un des épisodes, je m'étais trompé de salle dans le dernier hors-série. Et j'avais commencé cette salle au lieu de faire une autre que je voulais faire. Et donc on me voyait essayer les deux premières minutes de cette salle-là, alors que bah, j'y connaissais rien. Et comme c'est pas le format des hors-séries, le hors-série, je connais déjà les réponses. Oui, parce que là, je fais semblant de pas comprendre, mais en fait, c'est un extraordinaire jeu d'acteur. En fait, je connais déjà les salles. Donc là, j'explique. Je viens de tomber de très très haut avec le machin, là. On voit même pas d'où je suis tombé, tellement il y a du brouillard. Et un oiseau vient de me piquer mon portal gun. Et donc, je suis là, je marche sur de la lave qui a la couleur de la merde. Et je galère parce que je n'ai pas de portal gun. Et c'est bien dommage. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes introduits au principe des gels. Et donc, cette partie 3, cette troisième partie, est uniquement basée sur les gels. On récupère le portal gun dans le nid du piaf, et puis on peut continuer. Et repartir par là. Hop là. Voilà. Alors... là, si je saute, je n'y arrive pas, hein, c'est pas possible, je peux pas sauter jusque là-bas. De toute façon, la sortie du niveau n'est pas par là. Alors, que je me souvienne à peu près comment que ça se passe. Comme ça. Ça se passe comme ça, et là, comme ça. Voilà. Hop là! Ah mince, raté. Ah mince, raté. D'accord. Bon, échec. Ça arrive, ça arrive. C'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Géronimo! Tire, 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 tire. Oui! Merde! Mais faut que je retombe dans mon truc aussi. Pourquoi je continue d'appuyer sur Z pour avancer? Le seul problème avec les gels, c'est qu'il faut un petit peu de skill pour gérer. Voilà. Et il faut aussi pas être con. C'est quelque chose de très très important. Donc on va plutôt faire ça, sinon je sens que je vais encore me faire avoir. J'aime bien tirer le bleu quand je suis en l'air. C'est plus pratique, je suis plus à l'aise avec le clic droit de la souris. Et là, non, c'était l'autre. Ouf. Ça va. J'ai réussi quand même. Alors. Maintenant, comment que ça marche? À quoi tu sers, toi? Tu fais tomber du orange là-dedans. Donc je suppose que tu es fait pour aller là. Ouais. Si je te fais tomber par là aussi un petit peu pour que la trace soit complète. Voilà. Puis là maintenant on va faire ça. Et c'est parti! Boing! Et voilà. Tout simplement. Alors, il faut monter par là. Ok. D'accord. Donc je pense que je vais avoir besoin d'utiliser ça, parce que c'est pas là par hasard. Et puis, nous allons utiliser ceci. Je vais attendre que le niveau soit bien recouvert. Je pense que là, c'est bon. Hop là. Bien. Ici, on a quelque chose. Ici, on a ça. Je vais attendre qu'elle soit par terre. En avant! En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant! Oui, 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 oui! Oh là là, que c'était beau! C'était magnifique. Tant de classe, tant de grâce, tant de gaieté. Et je monte, et je monte, et je ne m'arrête plus, et on peut déjà passer à la salle de test suivante. 12 Angry Test part 4 sur 7. Je vais dépasser la moitié, là. On en est à 14 minutes. C'est étonnant. Je ne m'attendais pas à être déjà à la partie 4 au bout de 14 minutes. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus long que ça. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, mes vidéos sont pas censées durer une heure non plus à chaque fois, hein. Oh, c'est beau. Oh, l'escalier. L'escalier qui est fait pour moi. Ah oui, d'accord, c'était un pont. Ok. Ok, ok. Et donc là, je ne peux plus passer. Ah oui, pardon. Sur celui-là, je peux y aller. Je croyais que c'était l'inverse. Ah mince. Attends. On va faire ça. Prudence et mère de sûreté. Voilà.
Ça, c'était pour les vieux dictons que plus personne ne dit. Piou ! Oula. J'étais un peu au bord quand même, à peine. Voilà, et donc là, je suppose que je n'ai plus qu'à sauter. Ok. Tout va bien. Ah non ! Ah ben non ! Ah ben non ! Hein ? Oh oui, d'accord, ok, je vois. Wouah ! Ok, j'ai réussi. Ok, ok. D'accord, donc toi tu ne fonctionnes pas. Si je fais ça par contre... Ah ! Intelligent ! Joli ! Bien joué. Bien joué, bien joué. Oula ! Oh le piège à con ! Oh le piège ! Je vais passer par là, hein, pour éviter de mourir. J'aime beaucoup les effets de feuilles. La nature qui est dans Aperture Science, j'ai toujours trouvé ça joli et beau. C'est par là la sortie, c'est ça? Ok. Ah merde! Ah non! Mais vous êtes pas gentils les mecs! Mon but c'est de remonter là. Bon bah écoute. Je suppose que je suis obligé de... Oh une tourelle! Elle a un chapeau? Oh c'est une tourelle avec un chapeau de gentleman! C'est la dueling tourelle! Ou la tourelle gentleman comme vous voulez. Ok, bon, bah, je suppose que je vais devoir faire ça, et puis ça, là-bas. Tac, comme ça. Il y a un truc, là. Il y a un truc, là. Il y a un bouton. À quoi sert ce bouton? Il active... Ok, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir, mais... je ne me risquerai pas à aller chercher le cube. Je pourrais, hein. Non, en fait, je pourrais pas. Ma première mort, seulement à la partie 4, je trouve que j'ai survécu quand même très très longtemps à 12 Angry Tests. C'est bien. Il fallait que je meure de toute façon, et il faudra aussi que je recommence un niveau depuis le début probablement. Ah oui d'accord, je reviens là carrément. Ok. Donc. J'ai pas envie d'aller chercher ce cube là parce que je vais mourir. Par contre, je peux aller chercher celui qui est là-bas. Hop là. Bon, on verra ça plus tard. Viens avec moi, toi. Je sais où je vais t'emmener. Je vais te mettre sur le bouton pour les plaques. Alors. Hop là, ça c'est fait. Ensuite, ici. Bonjour. Hop là. Donc maintenant, j'ai les plaques constamment. Pas les plaques d'allergie, hein. Des plaques sur lesquelles je peux monter. Est-ce que tu supportes mon poids? Oui, tu supportes mon poids parce que tu es la technologie d'Aperture Science et que la technologie d'Aperture Science supporte mon poids. Et j'ai compris à quoi servaient ces plateformes. Je suis fier de moi. Haha, je pourrais passer à travers la vitre et te attraper et te lancer dans la grille, mais je peux pas en fait, donc je vais pas le faire. Par contre, je peux te tuer quand même. Enfin, j'aimerais bien. Ouah ! C'était eux que je voulais faire, pas avancer. Voilà. Voilà. Oui, tu es en feu et tu es morte. Je vais récupérer ce cube parce qu'à mon avis, il n'est pas utile que pour ça. Donc, voilà. Tu vas sûrement devoir te poser quelque part. Ou, je ne sais pas, mais... Mais voilà. Tiens, viens là, par exemple. Je vais te poser là un petit peu. Tombe pas, merci. Tac. Oh mais c'est pas possible, ça fait deux fois que je me fais avoir. C'est quoi ce bordel? Bon enfin, je suis en face quand même. Ou je suis pas capable de voir que... Peut-être le mur est trop loin et il y a un décalage. Enfin je sais pas, je meurs en tombant là-dedans. Alors du coup je suis où là? La tourelle n'est pas morte, d'accord. Des endroits bizarres pour faire ta sauvegarde quand même, mec. Wow, on se calme. Mon jeu a soudain tourné un petit peu plus rapidement que d'habitude. Ah, merde, j'ai un peu perdu un cube, là. On m'en redonne un, c'est gentil.
J'accepte ce cadeau avec plaisir. D'ailleurs, je sais où est-ce que je vais le mettre. S'il vous plaît, je peux avancer? Merci. Hop là. Ah, j'aime bien cette salle. Je suis mort deux fois, donc je devrais pas, mais j'aime bien cette salle quand même. Hop là. Viens ici, toi. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire ça bien. J'ai pas l'air d'être trop en face, là. Ah, vous savez quoi? On va faire ça intelligemment. On va faire ça comme ça. Et voilà. Allez, donc en fait, si tout à l'heure j'étais bien en face, ça ne sert à rien, ça. J'ai besoin d'enlever ce truc-là. D'accord. Ok. Je vois. Donc toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Et puis... Et puis... Comment on arrive jusqu'à toi? Ça doit être tout con, mais j'y pense pas. Ah oui! Effectivement, c'est tout con. En fait, c'est comme ça. Il faut oser passer dedans. Maintenant, on peut parce qu'on a tué la tourelle. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Donc ça, ça enlève ça. Wow. On se calme. En passant, je vais aller récupérer celui-là, tiens. Bonjour. C'était juste. Mais c'était ça. Voilà. Et maintenant, il faut que j'aille récupérer l'autre. Je suis en face ce coup-ci, merci. Bonjour, petit cube. Es-tu prêt à venir? Je t'emmène dans un endroit fantastique. Ok, donc là, je vais probablement mourir comme une merde. Ou perdre le cube. Ou les deux. Aucun des deux! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, bon, cette salle était déjà un petit peu plus challenge au niveau de l'esprit. Nous pouvons passer à la partie 5, si je sais compter. Je sais compter, c'est formidable. La vie, c'est beau des fois. Ouf. Oh, bah, elle va vite à charger celle-là. Donc là, si je compte bien, on a fait à peu près tout. Il doit nous manquer les tunnels de lumière, les tunnels bleus, ceux que j'aime bien. Et donc là, c'est la salle que j'ai déjà fait dans le précédent hors-série, c'est ça? C'est ça. Donc, j'hésite. Est-ce que je la remets? Est-ce que je la zappe? Je sais pas très bien. Parce que sinon, vous avez déjà vu cette partie, en fait. Du coup, c'est moins drôle tout de suite. Je sais pas. Pour l'instant, je vais la laisser. Et puis, voilà. Si jamais je trouve que je m'en sors mieux dans celle-là, je la laisserai. Et puis, si ça prend trop de temps... Par exemple, pour cette partie, vous vous souvenez, hein, j'avais un petit peu galéré ma race. Et ben, du coup, à ce moment-là, je l'enlèverai. Hop. Oh mon dieu. D'accord, ok. Bon, il se trouve que je galère un peu moins ma race dans cet épisode. Mais carrément moins. Hein. Peut-être j'ai dû prendre la main à force de faire le truc. Je ne sais pas, mais... Mais j'ai géré. C'est ça qui est beau. L'auto-congratulation, des fois, c'est cool. Donc voilà, je m'auto-congratule, c'est un mot qui peut paraître bizarre, mais ça veut dire se féliciter soi-même, être fier de ce qu'on a accompli. La dernière fois, il m'avait fallu beaucoup plus de temps pour mettre le cube... pour faire parvenir le cube jusqu'à moi et l'attraper au vol. Cette fois, je l'ai fait du premier coup, donc je suis fier, donc je me félicite, donc je m'auto-congratule. C'est un mot difficile à dire, donc je bafouille. Voilà. Hop. Nous sautons dans ce vortex ténébreux et là, c'est la partie où il y a du timing et où je suis assez mauvais. La dernière fois, je m'étais fait pousser vers le bas à cause d'une barre en métal et on va essayer de pas faire ça ce coup-ci. Hop. Oh mon dieu, pas de barre en métal qui me pousse vers le bas. C'est beau. Je vais one-shotter cette séquence, ce chapitre 5 sur 7. Non, il y a forcément un moment où je vais mourir.
ou un moment où je vais devoir recommencer la salle depuis le début, ou quelque chose comme ça. On pouvait pas y aller là, hein. J'avais pas essayé la fois dernière, mais on est bloqué, c'est un mur invisible. Hop là. Continuons, mesdames et messieurs. Entrons dans la dernière partie de la salle. Bon, celle-là, elle est pas compliquée. Hop. Ensuite, on fait ça. On fait ça. On saute dedans. Bloop. Bloop. On se laisse porter tranquillement jusqu'à la porte. Et ensuite, on fait parvenir le cube jusqu'à la porte. C'est easy. C'est... voilà, c'est détente. Ou alors c'est parce que... c'est parce que j'aime bien les trucs comme ça de Vortex. Parce que j'y arrive bien, sûrement, ça... ça me fait me sentir supérieur. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'y arrive bien, et donc je kiffe. C'est comme ça que ça marche. Plap et plap. Et voilà, et là c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, on peut y aller. Et c'est déjà la fin de cette cinquième partie que j'ai complètement one-shoté. Je suis fier de moi là. Ça se voit peut-être pas, mais je suis fier de moi. Partie 6 ! En avant ! Si je me souviens bien, la partie 6 c'est une seule grosse salle. Et après on passe directement à la partie 7. Ce qui est... par contre la partie 7 je vais mettre un petit peu de temps. Parce que c'est long. Est-ce que c'est bien ça? Ou est-ce que je confonds avec autre chose? Non, c'est ça, c'est la grande salle. Ok, alors. Alors. Parce que je ne m'en souviens plus, c'est ça le problème. Là, c'est le vide, hein, y a rien en dessous. Y a rien en dessous, je confirme. Je peux aller là-bas. Pas comme ça, mais je peux y aller normalement. Voilà, comme ça. Et donc, je peux inverser la polarité. Ce qui me sert à faire ça, par exemple. Non. D'accord. Si je fais ça... ah oui, d'accord, ok. Mais ça sert à rien, ça. Enfin, je comprends pas trop l'intérêt, en fait. Vas-y. Faudrait que je puisse survoler cette partie-là, en fait. Hop là. Merde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est ça. Non, ça. Merde. Ça. What? Ah oui, non, merde, ça sert à rien, ce que je fais, là. Oh, mon Dieu. Je suis mauvais. Mais mauvais. Mais mauvais. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais, cet homme? C'est pas mieux comme ça, hein. Comme ça, c'est peut-être mieux. Non, du tout. Il y a un truc auquel je pense pas. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça, par exemple? D'accord, donc c'est là que je dois l'envoyer. C'est marrant, on dirait que c'est pas dans l'axe. Pourtant, c'est bel et bien ça. D'accord, ok. Bon. Alors, donc, on va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Et puis ensuite, une fois que ça a passé le trou, on fait ça. Et puis, on fait ça. Et une fois qu'on y est, on fait ça. Voyons voir si c'est suffisant, sinon j'en remettrai une couche. Ça devrait aller. Oula, on se calme un peu. Je vais me mettre là. Voilà. C'est parti! Pouf! Voilà. Et donc maintenant je peux faire ça. Mais je sais plus pourquoi. Parce qu'après maintenant je peux passer là-dedans. Et ça, ça me permet de faire ça, je crois. Voilà. Et du coup, je vais atterrir sur le plancher et je vais pouvoir sortir de la salle. Ok, donc tout va bien. Tout va très très bien. Nous allons sortir de cette salle et ça va être génial. Alors, allons-y. Ouah ! Que se passe-t-il ? Oh putain ! Ok, d'accord. Je vois. C'était pas prévu. Laissez-moi passer, monsieur. Je veux monter. Qu'est-ce que c'est que ce délire ?
Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Expliquez-moi. On me change de salle. On me change de moitié de salle, d'accord, ok. Est-ce que je peux déjà placer un portail dessus? Ah non, laissez-moi placer un portail! Bon, c'est pas grave. On va attendre gentiment qu'il ait fini. C'est bon, là je peux? Et 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 là je peux? Quand est-ce que je peux, bordel? Ah merci. Alors, on va y voir un peu ce qui... Wow! C'est quoi ce délire? Ok, je suppose que c'est ça que je suis censé faire. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Si je vais devant la plaque blanche, je suis forcément aspiré. Donc, ben... Hop. Non. Ah! Bon, bah, je suis reparti pour un tour. Ah ben non, je suis obligé de... Attends, je vais enlever le bleu. Voilà. Voilà. Bon, bref. Donc là, il y a une catapulte. D'accord. Pourquoi pas. Là, il y a une catapulte aussi. Avec un générateur de cube au-dessus, donc à mon avis, le cube va faire ça, et je devrais l'attraper au vol. Oh, pardon. Hop là. Ok. Ça permet de faire quoi, ça? Ça fait tomber du orange et du bleu. Ok. Soit. Donc si je fais ça, je peux aller chercher du bleu. Et pourquoi pas le mettre au bout de la rampe. En faire tomber du bleu, là. Par contre, mon orange, je le mets où, après? Genre, là? Mais non, mais ça marche pas, du coup, si je fais ça. Ah, je pouvais faire ça, là. D'accord, ok. Ouais, bon, bah, du coup, on va refaire ça, alors, pour être sûr qu'il y en ait bien au bout. Voilà, et maintenant je fais ça. Et voilà, c'est tombé. Maintenant, dans l'idéal, il faudrait mettre du orange. Et pour mettre du orange, il va falloir que je me mette là, que je fasse ça. Un peu plus à côté. À la rigueur, j'aurais dû faire le orange avant le bleu. Et là, je fais ça. Voilà. Ok, ça va, ça c'est moins dur. Ça, je suis capable de faire, ça. Ça, mon quotient intellectuel est capable de comprendre une énigme comme celle-là. Ce qui est rassurant. Voilà. Donc maintenant, on s'occupe du bleu. Ah bah voilà, en plus, c'est fait. Et on fait ça. Nickel! Et donc maintenant, je peux faire ça. Et puis, bah en avant. Wouh! Et donc là, j'ai un bouton qui fait tomber un cube, et je vais devoir choper le cube au vol, tout simplement. Donne-moi ce cube! Ok, d'accord. Ouh! Ok. D'accord. Bon, bah, on est reparti, alors, du coup, hein. Pour essayer de choper le cube! Donne-moi le cube! Merci. Oui. On est reparti, donc, pour le catapultage. Hop là, on arrive dans la salle bizarre. Ensuite, hop. Et puis on met le cube là-dedans. Et ça marche! Et donc je suppose que maintenant je suis vraiment censé aller dans cette salle là-haut. Hop là. Et hop là. Et que je suis censé mettre un portail orange ici pour me faire transporter jusqu'à la porte. Voilà! C'est comme ça, madame, qu'on fait! Laissons-nous tranquillement transporter jusqu'à l'ascenseur et nous aurons fini la partie 6 sur 7 et nous pourrons entamer la partie la plus compliquée, la 7 sur 7, la partie où il y a un boss et où je vais en chier à mort. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je m'impose de faire des trucs pareils? Je ne sais pas. Je suis probablement maso. Mais c'est pas grave, je fais ça pour vous. Allons-y. Partie 7. Sur 7. La fin du jeu. Entrons dans cet horrible territoire. C'est marrant qu'ils soient en français, le jeu. C'est toujours cassé. Où es-tu? Tu es là.
C'est un écran. Donc on s'en fout. Par contre, je ne peux pas passer, mais alors pas du tout. Wow! Ah, ok. Ça fait tomber ça. Ça, c'est cool. Ah! Ok. On a une chute de gel. Et donc, nous allons devoir, évidemment, utiliser cette chute de gel afin de peinturlurer à peu près toute la zone. L'idéal étant, si un jour on arrive à en mettre de l'autre côté. Genre comme ça. Est-ce qu'on arrive à atteindre l'autre côté de la pièce? Non, pas du tout. Si jamais on fait ça, et qu'après on fait ça, par exemple, à quoi ça sert? Ça sert à faire ça, d'accord. Intéressant, ou pas. Si on fait ça, est-ce qu'on arrive de l'autre côté? Oui! Ok, on arrive de l'autre côté. Attention, me voilà. Ok. Donc maintenant, je peux refaire ça. Et puis, on va se mettre là. Et c'est parti, on peinturlure à peu près toute la salle. Enfin, toute la salle, non. Toute la salle, c'est pas nécessaire. Alors, il y a deux endroits où on a besoin d'aller peinturlurer. D'un côté, ici. Alors, pas sur la catapulte, mais sur la cible de la catapulte, si possible. Voilà, c'est bon à mon avis, je vais me rapprocher un peu, mais normalement, elle est suffisamment gélifiée, donc ça c'est cool. Et puis là aussi, c'est important ici. Enfin, pas tout le mur, hein. Il y a seulement un endroit qui est important. Ok, c'est pas comme ça qu'on aura des résultats. On va devoir peinturer un peu plus, genre ici. Et puis passer par là, voilà, ça c'est un peu mieux déjà. Hop. Et puis hop. Et puis hop. Voilà. Donc là, normalement, on est en train de peinturer la partie inclinée. Ce qui fait que je vais pouvoir placer un portail là. Me catapulter, shooter un portail ici. Et me laisser faire. Et normalement, ça marche. Et ça fonctionne. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, il y a cette horrible partie-là. Oh mon dieu. Il faut tuer le boss en explosant la vitre derrière laquelle il est. Donc ce tuyau va lancer des bombes qui vont rebondir sur cette catapulte et me viser. Et je vais devoir les éviter, tout simplement, au début. Voilà. Donc ça, ça a fait tomber le... Je devrais pas rester trop longtemps au même endroit. Voilà, et normalement, voilà, il y a un gel blanc qui devrait commencer à couler. Je vais faire ceci. Hop, et puis on va... Oula. On va se mettre à peu près... pour l'instant, je peux rien faire, autre que ça, par exemple. Là, oui, voilà, là, c'est ça. Hop, là, on fait ça. Du coup, le problème, c'est que je ne vois pas du tout ce que je fais. Voilà, par exemple, là, j'ai fait ça et je vais tomber, je vais mourir et c'est pas prévu. Faisons ça, plutôt. Ne me faites pas mal, par pitié, je suis... What? Oh, mon Dieu, je l'ai eu! Mais comment j'ai fait? Bon, d'accord, avant, il m'avait fallu beaucoup plus de temps avant d'envoyer une bombe là-dedans. Je pense qu'elle a dû tomber là-dedans quand je suis arrivé sur la plateforme sans faire exprès et ressortir par mon trou et arriver directement comme ça. Bon, toujours est-il que maintenant, il y a des tourelles qui sont là, enfin, qui descendent là et qui arrivent. Et donc, il va falloir que j'aille les tuer, et cette partie-là est très longue. Et très chiante. Le but étant d'arriver à, voilà, de faire à peu près ça, et ensuite, de les peinturlurer. Bonjour, au revoir, c'est comme ça qu'on fait pour reculer. Normalement, il devrait y avoir du blanc sur sa plateforme maintenant. Ah non, ça passe derrière elle, merde. Ok, d'accord. C'était pas prévu. Oh, 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 on se calme. Est-ce que ça marche maintenant? Moins. Enfin, ça pourrait marcher. Hop là. Aïe, 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 aïe.
Voilà, j'ai réussi à mettre du blanc sur une partie de l'endroit où elle est. Et donc je vais pouvoir faire ça tout simplement. Et la prendre par derrière et la jeter. Bloom. Le seul problème c'est que je ne peux pas directement aller là-bas. Il va falloir que... Oula, d'accord. Il va falloir que maintenant bah, je fasse l'inverse avec l'autre en fait. Sachant que du coup maintenant j'ai une plus grande liberté de mouvement parce qu'il y a un côté par lequel je ne suis pas mort. Enfin, je ne peux pas mourir, on peut pas me tirer dessus de ce côté-là. Donc j'ai des plus grands angles de visée. Je peux faire un peu plus de choses. Même si c'est pas encore la joie. Voyons voir un peu ce que ça donne. C'est pas suffisant. Mettons-nous à peu près là. Voyons voir où ça fait. Ça fait tomber les machins. D'accord, par là. Aïe, 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 aïe. Attends, je vais faire ça, ce sera mieux. Ouais, peut-être pas. Voilà, là. Normalement, ça devrait être bon. Oui, il y a du blanc. Hop. Voilà, merci. Et donc là, je peux faire tout simplement ceci. Oula. Voilà, et le truc est revenu. Normalement. Voilà, donc maintenant il recommence à me bombarder et donc il faut que je refasse la même chose encore une fois. Donc ça, et ça, et essayer de faire en sorte qu'il y ait une bombe qui vienne à peu près par ici. What? Je comprends pas tout bien là, mais bon, c'est pas grave. Oula! Ok, d'accord. Essaye de venir plutôt par ici, hein. Je me casse, je me casse, je me casse. T'es passé dedans ou pas? Je sais pas. Je ne sais pas très bien. Ça devrait y aller, là, non? Ah non, c'est trop loin, d'accord, ok. C'est trop court. Faut que je fasse plutôt ça. Aïe, 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 me fait pas mal, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, là je me casse. Ça devrait marcher. Ah non, c'est trop cool, c'est trop presque aussi. Ah! Ne me faites pas mal, s'il vous plaît, monsieur. Normalement, là, ça devrait être bon. What? J'ai cru que j'allais mourir. J'y ai cru, là. Je dois avouer que j'y ai un peu cru. Ah, trop court, trop court! Allez, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Ah! Mais c'est pas possible! Il est où le juste milieu là-dedans? Comment tu fais, bordel? Ça va marcher. Yes! Ok. Bien. Voilà, la grille vient d'ici. Donc là, cette fois, c'est un peu plus la merde. C'est-à-dire que... la grille va faire des allers-retours et va venir m'embêter. Voilà, donc pour l'instant c'est pas grave. Vas-y, tire-en un autre. Voilà, que je puisse calculer. Est-ce que c'est bon au niveau du timing? Yes! Bon, ok, j'ai gagné. Comment on sort? Ah oui, comme ça. Vas-y, pars en éclaireur. Mais pas en éclaireur, connasse! Ok, d'accord. Au revoir! Et voilà!
C'est la fin de tout ce merdier. J'ai mis beaucoup moins de temps. Ah oui, non, pardon, il y a une cinématique de fin. Je vous laisse en profiter. A tout de suite. Et voilà, après Space to Exit. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais comme la petite bouboule dans Portal 2, évidemment. Enfin, en gros, il faut dire presse. Space to Exit. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Bref, tout ça pour dire que c'est la fin de ce mode de Portal 2 qui s'appelait 12 Angry Tests. Et c'était cool, c'est vraiment bien fait, et je comprends pourquoi c'est le mode le plus populaire depuis quasiment l'existence du workshop. Donc jouez-y maintenant, au pire vous avez la solution, vous savez où la trouver, et vous voyez, c'est pas extraordinairement difficile, c'est même plutôt simple, mais c'est joyeux, c'est bien fait, et ça pourrait même être une partie de Portal 2, tellement les tests sont bien pensés et bien... comment dire... Bien incrustés... Bah, il doit y exister un mot dans la langue française pour dire ce que je veux dire, mais c'est pas grave, j'arrive pas à le trouver, c'est tant pis. Donc voilà, c'est la fin de ce deuxième hors-série. Je vous retrouve donc mercredi prochain pour le troisième épisode normal de The Cake is a Lie. Et puis en attendant, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.